Salut tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui en fait on va parler un peu finalement et bien des comparaisons entre les anciennes générations de consoles avec cette fameuse nouvelle génération de consoles qu'on va retrouver aujourd'hui puisqu'elle vient de sortir. C'est sur la plateforme PC, GTA 5 sur PC, où on a pu enfin avoir en fait des vraies images de gameplay, des trucs comme ça. Alors si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de choses, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur internet, sur YouTube, parce que moi forcément je n'ai pas toutes ces plateformes là. Donc ce sont tout simplement, voilà, ça a été leaké et après c'est à vous tout simplement d'aller regarder si vous avez plus envie de regarder, on va dire, au niveau de la comparaison. Mais là c'est juste flagrant qu'on peut remarquer. Alors entre PS3, PS4 et PC, moi j'ai vraiment envie que vous regardiez entre ces plateformes là le changement, juste le changement de texture, c'est juste énorme en fait. C'est à dire que c'est même pas au niveau des personnages ou des choses, c'est-à-dire que assez principal ou assez essentiel. Non, en fait, ça va toucher plein de choses. Et surtout, ici, regardez les images au niveau de la ville. Et surtout au niveau, par exemple, au niveau de la plantation et tout. Par exemple, sur PC, au niveau des arbres et tout, c'est super bien fait. Et au niveau des étoiles aussi. Quand on regarde sur PS3, ici, par exemple, on voit quasiment rien. On a l'impression d'être sur une autre planète. Alors que quand on regarde, sur PC, c'est super bien fait. En plus avec le mode éditeur, ça va être vraiment je pense que pour les personnes qui ont cette plateforme là, ils vont s'éclater. Il y a vraiment de grosses différences, sachant aussi qu'elle fait la Ultra HD et pas vraiment la 4K, donc 3800p environ. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et je vous ai montré ces quelques petites images. Si vous êtes intéressé pour plus de gameplay ou de trucs comme ça, et bien regardez sur YouTube essentiellement. Vous mettez GTA 5, vous mettez les trois plateformes et tout, et puis vous aurez des comparaisons. Mais ici c'est juste flagrant quand tu regardes, ou même dans le premier petit gameplay que je vous ai montré au niveau de la plantation, on peut remarquer que dans PS3 ils ont pas osé mettre trop de textures au niveau des plantes et tout, et sur PC ils en ont bourré, c'est juste magnifique. Voilà, merci beaucoup les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Et on peut vraiment au passage vraiment voir, en tout cas, qu'il y a vraiment un gros changement et que c'est pas du tout la même chose. Et c'est bien plus agréable de jouer sur PC que sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.